Ouh, ça prend les intervalles. Emmanuel Surbus qui sort. Peut-être première opportunité pour le SA15 de planter. Ça se rapproche, ça se rapproche. On est vraiment pas loin de la ligne. Hein. Emmanuel Surbus qui appelle ses avants pour aller au contact. Oh oh. Et c'est pour le SA15. Au bout de 2 minutes 44, on a déjà un premier essai du SA15. Voilà. Ça met peut-être un coup au moral à Aubenas, mais bon, très très bien joué de la part très du SA15. Très bonne entame de match. Très très bonne entame de match. La mêlée est stable. Hein. Et ça ouvre. Ça écarte. Prendre la vitesse, c'est pas mal. Ça cherche les intervalles. Ouais. La passe après contact. Ah, ça passe. Et la percée du numéro 13. Ça va aller à l'essai. Et ça va à l'essai direct. Voilà, très deuxième bon essai pour le SA15. Et on a Inaki Yarza qui vient de planter son essai. Attention, ce serait un tournant. Oui. Ce serait une belle. Un beau coup au moral pour Aubenas de la part d'Angoulême s'ils arrivent à planter juste avant la mi-temps. Attention. Le public qui encourage, comme à son habitude, son équipe, qui est tout près de marquer. Oh. Et c'est un essai pour le SA15. Ça va faire mal à Aubenas. Juste avant la pause, c'est une très très belle une bonne essai. Pioche là pour le SA15. Ce sera une touche donc à 5 mètres de l'embut du Rugby Club Aubenas. Une touche complète, visiblement. Non. Certainement joué avec pas mal d'avant. Peut-être faire... Oh, et attention, et ça plante c'est un directement essai. Oh là là là, belle essai. Une incompréhension dans la touche d'Aubenas. Et du coup, c'est le numéro 7, Irakli Sak... excusez-moi. Sakatadze. Excusez-moi si je corche les noms. Très bonne deuxième mi-temps pour le SA15. Le ballon est donc gardé par Aubenas. Ça joue avec les avants. Qui avance. Ça repart dans l'autre côté. Sens. Ouais. Un surnom peut-être. Oh, il passe après contact. Et, belle. Et on a Tim Menzel qui marque le premier essai d'Aubenas. Très très bel essai, un ballon récupéré après contact. Belle passe après contact. Et ouh, pas loin. Oh, belle le reprise. Ballon a été repris par le joueur de Bona. Bien plaqué par la défense d'Angoulême. Et cette chandelle leur a fait progresser dans le terrain. Oh, attention, l'ouverture numéro 8, oui, qui trouve du soutien. Oh là 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 là, oui. Il part elle à l'essai. Elle y il est. Part à l'essai. Très, oh là là, Aubenas qui remonte. Deux essais coup sur coup, meilleur moment du match. Là, attention, à niveau score, il va falloir faire très attention pour le SA15. Mêlée, introduction. Introduction par le numéro 20. Et ce sera un essai de pénalité pour. Essai de pénalité pour Angoulême. Pour Angoulême, qui enfonce. Qui enfonce le clou et qui scelle quasi, cette victoire. C'est quasi, ouais, définitif cette victoire. Pas complète, mais ça va donc écarter et les avances seront donc au soutien. Ouh, attention, et attention, les qui, oh là, il y a le soutien qui suit. Et oui, passe après contact, ça continue encore. Évidemment. Oui, belle. Et c'était un essai pour le oh SA15. Ça conclut très très bien ce match. Hein. Oh là 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 là. Et de nouveau, ça se chauffe dans le camp du encore, mais du Rugby Club Aubenas. Très très belle action, très très belle action d'Angoulême du SA15. Forcément, les intervalles.